les actes détestables durant le jeûne. Il est détestable durant le jeûne d'exagérer l'eau, de se faire chaud de l'eau dans la bouche et par les voies nasales pendant les ablutions pour crainte que l'eau ne soit avalée. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Et insiste lorsque tu inspires de l'eau, sauf si tu jeûnes. » Tout comme il est détestable tout ce qui incite le plaisir, c'est la peur que le sperme sorte ou que son désir soit éveillé. Mais s'il est sûr de ne pas se retrouver excité par cela, alors il n'y a pas de mal. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, l'embrassait durant le jeûne, et il était le meilleur d'entre vous quand il s'agissait de contrôler ses pulsions. Et c'est pour cela que le contact avec les femmes n'est pas recommandé durant le jeûne, à l'exception des personnes âgées. En effet, selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme avait questionné le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, à propos du contact avec la femme pour celui qui jeûne. Et il l'a autorisé. Puis un autre est venu à lui et lui a demandé la même chose. Et il la lui refusa. Et il s'est avéré que celui qui avait reçu l'autorisation était une personne âgée, tandis que l'autre était un jeune. Celui qui travaille dans les fourneaux et les travaux durs n'a pas le droit de manger et il est appelé à jeûner comme les autres croyants. Manger et boire volontairement pendant la journée durant le mois de Ramadan annule le jeûne, car Allah, exalté soit-il, a dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. » Le jeûne est rompu par tout aliment atteignant l'estomac par le biais de la bouche ou du nez. Les injections nutritives par piqûres le rompent aussi. Cependant, les piqûres non nourrissantes, telles que ceux contenant de la pénicilline ou d'autres, ne rompent pas le jeûne. Et cela applique pour tout ce qui entre dans l'organisme par la bouche par le biais de l'endoscopie ou d'un pulvérisateur par l'asthme. Tant que cela n'atteint pas l'estomac, ne rompt pas le jeûne. Le corps et les gouttes dans les yeux ne rompent pas le jeûne non plus, car il n'y a pas de preuve affirmant cela. De plus, l'œil n'est pas un orifice comptant parmi les voies d'absorption de la nourriture. En ce qui concerne les gouttes dans le nez, il est préférable d'éviter d'avoir recours à celles-ci. Selon le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, il est interdit de faire preuve d'exagération lorsque l'on inspire de l'eau lors des ablutions pendant le jeûne, car il y a un risque de l'avaler. Avaler ce qui ne nourrit pas ou nuit à la santé comme la fumée de cigarette rompt le jeûne, car cela est absorbé par l'orifice dédié à l'absorption de nourriture qui est la bouche. Le jeûne n'est en revanche pas rompu par les actes dont on ne peut se prémunir, comme le fait d'avaler de la poussière ou du reste de nourriture entre les dents de manière non intentionnelle. Le rapport sexuel est la deuxième chose qui annule le jeûne. Allah exalté soit-il a dit « On vous a permis la nuit d'Asriyam, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. » Celui qui a un rapport sexuel durant le jeûne verra son jeûne rompu et il devra le rattraper en plus d'avoir à accomplir un acte d'expiation conséquent qui consiste à libérer un esclave ou à jeûner 2 mois consécutifs s'il ne veut pas, ou bien à nourrir 60 pauvres s'il ne peut jeûner. La femme aussi doit expier son acte si elle suit l'homme dans son désir. En revanche, s'il la force à avoir ce rapport sexuel, alors elle doit refaire le jeûne pour ce jour uniquement, sans expiation. Il est permis aux musulmans de ne pas jeûner pendant le Ramadan pour cause de maladies graves qui peut le nuire s'il jeûne. Allah exalté soit-il a dit, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Si le malade ne jeûne pas et que la maladie est une maladie dont on espère la guérison, alors il lui est obligatoire de rattraper les jours non jeûnés une fois guéri.
En effet, Allah exalté soit-il a dit, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Si la maladie n'est pas curable, comme une maladie chronique, entraînant une incapacité permanente de jeûner, alors l'individu doit nourrir pour chaque jour un pauvre avec un demi de sar de denrées alimentaires du pays. Il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner, mais il devra tout de même rattraper les jours manqués. Allah exalté soit-il a dit, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. En effet, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, on voyageait avec le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et il y avait parmi nous ceux qui jeûnaient et ceux qui ne jeûnaient pas. Et cela se déroulait sans que nous nous fassions de reproches mutuels à ce propos. Le voyage qui permet de ne pas jeûner est identique à celui permettant le raccourcissement de la prière. Il correspond à celui qui est communément reconnu comme tel, et ce, à condition qu'il soit accompli dans un but licite. Mais si le voyage est de nature illicite, ou qu'il est utilisé comme ruse afin de ne pas jeûner, alors il n'est pas permis de ne pas jeûner. Et s'il s'avère que ce jeûne est une source de difficulté, alors s'en abstenir est préférable. Quand le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a vu un homme en voyage, assis en dessous d'un arbre, se prémunissant de la chaleur accablante avec des gens l'entourant. Le prophète, paix et salut sur lui, a alors dit, « Ne fait pas partie de la bonté le fait de jeûner durant le voyage. » Si la femme enceinte ou qui allait craint que le jeûne soit une source de danger pour sa santé, alors elle ne doit pas jeûner et elle devra rattraper les jours manqués comme le ferait une personne ne jeûnant pas pour cause de maladie. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, Allah exalté soit-il a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Ainsi pour la femme enceinte et celle qui allait, le jeûne. Mais si elle craint pour son bébé et non pas pour sa propre personne, alors elle devra rattraper le jeûne et en plus de cela, nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. En effet, Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, la femme qui allait et celle qui est enceinte ne doit pas jeûner si elles ont peur pour leur enfant et doit plutôt nourrir des pauvres. La femme en état de menstruation ou ayant ses leçies ne doit pas jeûner. Cela lui est interdit et si elle le faisait, son jeûne ne sera pas valide et devrait être refait. Selon Aïcha, qu'Allah se satisfait d'elle, quand elle a été questionnée concernant le remplacement du jeûne et non la prière pour les femmes menstruées, elle a dit, nous avions nos menstrues, et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas la prière